Bonjour, bonsoir à tous, ici Angeflo et aujourd'hui on est le 9 juillet 2014, il est 21h16 et il y a à peu près 5 minutes, j'ai trouvé un shiny. Donc je chassais en x7, enfin sur cette console, donc j'avais du simple route 3 donc avec les trucs de l'outil sur ce silver. Ah ben, comme vous voyez, c'est pas lui qui est tombé. J'ai du simple recherche de Levenard donc à la route 13 sur Earth Gold, c'est pas lui qui est tombé non plus. J'ai du double fort d'investition donc avec le troupeau de Paricool et l'insertion émeraude donc qui donne des pommes de pique. Donc, là en dos, donc c'est pas sur cette recherche que Shiny est tombé non plus. Que Shiny est tombé. Et c'est pas des rencontres doubles. Et c'est pas des rencontres doubles, ouais. Bah ouais, sinon je peux pas faire troupeau ni d'insertion. Putain, j'ai du mal à parler, c'est ouf. Je faisais aussi du starter 2G, hein. Ouais, je sais, c'est une recherche de tapette, mais bon, voilà. J'ai aucun des starters 2G, donc... Pour une shiny badge quest. Voilà, voilà, en fait, voilà, j'ai pour projet de faire une petite shiny badge quest, bon, voilà. Je trouvais ça sympa, donc voilà. Ah, c'est pas sur ça que c'est tombé, c'est pas le shiny que j'ai trouvé, il n'y a pas de shiny, hein. Donc là je montre les trois starters, aucun de ces trois n'est shiny. Et il reste une recherche, la recherche aux éoliennes, sur Placine, donc en double, sur Placine, donc avec le troupeau Dynavolt. Donc là sur cette version, vous voyez un Dynavolt normal, et sur la version du dessus, vous voyez un sans coquille shiny. Voilà. Non, il est pas normal, il est shiny, tu vois. Alors, en fait, j'ai tout vu. J'ai vu toute l'apparition. Et en fait, au départ, je me dis, mais il est vachement foncé quand même. Hein. Je fais, dans l'ombre, j'étais pas sûr, en fait. Après, je vois sortir de l'ombre, je fais, ah ouais, il est quand même vachement foncé. Et là, ça a mis une éternité avant de voir les étoiles. Ça, c'est... Et quand les étoiles sont arrivées, c'est... Ah oui, il est shiny. Toi, t'as dit, oh, shiny, les gars, shiny. Ouais, voilà, shiny, voilà, c'est une petite réaction de merde, tu vois. Bon, voilà, donc, je suis en compagnie sur Skype de Naska et Lucas. Donc, voilà. Ouais. What? Voilà, si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez hein, pas. Hein. Ouais, bah, GG. Ouais. Gros GG, mec. Faut juste... Et bizarrement, tu trouves à chaque fois qu'il y a match, hein. Ouais, juste avant un match, tu vois. Voilà. Là, c'était juste avant. Je change un peu de mots. On arrête pas de dire GG, c'est chiant en France. Bah quoi, un coup de game? C'est mieux. Ouais. Ouais, mais non. Ouais, mais non, d'accord. Bon, j'arrête. Ou alors, bien joué pour avoir trouvé un shiny, ouais. Ou sinon, bien joué. Félicitations. Voilà, félicitations. Congratulations. Ouais, bah ouais, ouais, félicitations, ça c'est bien, toi. De trouver ton sang coquille chromatique. Oui, après 5 jours ou 7 jours ou je sais plus combien de jours sans chérie. Ouais, c'est 5e jour là que... 5 jours, ouais. C'est 5e jour. On est le 10e jour de SHTC. Ouais, ça fait 4 jours que j'avais pas trouvé. Et donc là, on était dans le 5e jour. Donc hier, j'ai fait plus de 9000. Enfin bon, j'ai fait quand même pas mal de chiffres. Ces 4 derniers jours, j'ai fait 25000, quoi. Voilà. Sinon, en tout, depuis le début de la SHTC, je suis à plus de 60 000 rencontres. Hein. Et c'est juste seulement le troisième shiny. Donc vous voyez ma chance légendaire. Ou pas. Donc voilà, assez parlé, on va passer à la capture. Hein, Allons-y, let's go. Allez, on l'endort. C'est parti les amis. On l'endort. Dors petit sang coquille. Oui donc comme vous pouvez vous douter. Les trouver, parce qu'on les a. Ouais vas-y. Si j'ai rien dit. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Je le fauche aussi. Non mais il y a beaucoup qui chantent Dora l'exploratrice. Ah pour moi. Les gars, Alice quoi. Voilà, t'as ruiné sa vidéo. Voilà. Bon alors, quel boss choisir, sachant que j'ai beaucoup de choix. J'ai 14 balles différentes. Alors, j'ai la scuba ball. Ouais, enfin bon, il est rose, donc... T'as pas
c'est pas un truc baseball ou une swamball ou un truc du genre, non? Ouais, si, j'ai des swamball, j'ai des baseball aussi, j'ai un peu de tout, hein, j'ai un peu de tout. Bah, je le verrais bien en soi, enfin, même en baseball, non, baseball. Baseball? Baseball, je le verrais bien, ouais. Ouais, baseball ou swamball, je sais pas. Essaye les deux, puis tu verras. Ouais, mais bon, il va rentrer direct. Il va rentrer direct, il a un PV endormi, donc... T'as pas cette chance, mais t'as pas cette chance. J'ai pas cette chance. Ouais, j'hésite entre les deux boules, en fait, ouais, c'est ça. C'est entre ces deux boules. Entre les deux quoi, les deux boules? Les deux balls. La baseball et la swamball. D'accord, ok. Ah bah du coup, je vais prendre quoi? Ouais, la swamball, tiens. Allez. J'en ai 208. Donc normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Hein. Puis c'est qu'un 5 cookies aussi. Voilà, c'est ça. Ah oui, t'affrontes pas un Palkia, c'est sûr. Enfin bon, Palkia, même en 208 swamball, t'es large. Quoi. Ça fait bosser à la vidéo de Katel où elle l'attrape en 3 boules. Mais oui, mais Palkia, il a un taux de capture élevé aussi, par rapport au légendaire. Ouais, d'accord. Donc voilà, donc l'écran du surnom. J'ai pas de surnom pour lui. Donc j'ouvre les paris nature pendant que j'effectue ma sauvegarde. Rigide. Ouais, rigide pour Momo, donc, enfin pour Night Skate, comme d'habitude. Pour Ramolos aussi. Pour Ramolos si tu veux, ouais. On prendra qui pourra, hein. Moi je parie jovial. Ouais, puis Amandine, je lui demande pas, elle va parier solo de toute façon. C'est ça. Donc on va voir quelle nature. Moi j'ai parié. J'ai parié pudique. Et il est discret. Discret en tout cas. Ouais, discret c'est pas trop mal. Sachant qu'il est assez lent donc. Ouais, voilà. Ça augmente l'attaque SP. Ouais, c'est pas trop. Oh, c'est 5G. Attends, il a lavabo en plus. Il a lavabo. Mais genre, non, mais genre, c'est bien un combat triple, ça, sur 5 et 6G. Ah bah oui. Ouais, tu sais, t'as le Pokémon d'à côté, il fait surf, ça augmente l'attaque spéciale. Ouais, c'est quoi, ça augmente ses PV ou ça augmente son attaque, je sais plus c'est quoi. C'est l'attaque spéciale, je crois. Attaque spéciale, ouais, voilà. Donc c'est vachement bien, quoi. Puis en plus, il attire plus d'attaques spécialement vitesse, tout va bien, quoi. Bah ouais, y'a moyen que t'en fasses quelque chose, quoi. Ah ouais, non mais trop. Alors, il est attentif au son, alors attends, le troll, c'est qu'il est attentif au son, donc il peut avoir 30 niveaux de vitesse. Oui, bah c'est ce que j'ai pensé, en fait. Voilà. S'il a 30 niveaux de vitesse, mais je rigole. Ah non, mais trop moyen que je fasse quelque chose avec, quand même. Non, mais en un sens, s'il a 31 niveaux de vitesse, l'attaque spéciale peut être bonne aussi, hein. Oula, mais c'est quoi cette mise au point là? Je joue rien, c'est trop éclairé, c'est... Oh mon dieu! Oh my god, Nash! Il s'est passé quoi là? Fuite impossible! Ah ouais, bah oui, je suis face à un Mustewe qui est quand même assez rapide et sans cookie qui est lent avec la nature moins vitesse. Il est lent comme un escargot, logique, c'est un escargot. Ouais. C'est un escargot sans coquille. C'est un escargot qui... j'allais la sentir. Je me suis dit, bon, c'est sa vidéo à lui. Je vais pas sortir du connerie. Enfin, du moins, pas possible. Tu peux, hein. Bah, putain, il va me défoncer, ça continue. Vu ce que je sens actuellement, je pense que tu peux, ouais. Ah, c'est bon, j'ai réussi à fuir. Tu m'as vu PV, quoi. Tellement des bonnes grosses barres. Alors attends, là je vais pouvoir... Étoile. Ouais. Bon ben voilà, je vais vous quitter ici. Hein. Donc voilà, donc une dédicace à ma team. Donc Natsuka et Lucas qui sont là, et puis Amandine qui est pas normal mais qui est là quand même. Ça va saigner, préparez vos lèvres. Ça va saigner. Oh putain mais... T'as dit quoi, préparez-vous quoi? Non mais non, fallait pas le dire, fallait pas le dire celle-là.
Non mais fallait pas la dire, non mais non. Bah oui mec, fallait pas la dire. Bon voilà, donc donc voilà. Et donc je vous souhaite bonne chance, bon courage à ceux qui participent à la SHTC. Et à bientôt.